That boy ain't nothing but trouble. Run, bitch! Run! Eh bien bonjour à tous, c'est Mr. Flo, on se retrouve pour la deuxième partie de cette aventure sur 16 rooms, 66 salles, je ne me suis pas trompé. Et donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis en game mode parce que j'ai dû donc trouver ce qui se passait. Et comme je l'avais dit dans le précédent épisode, cette plaque de pression qui était avant en or, je l'ai remplacée par une en pierre, hein, vous voyez. Et maintenant la porte s'ouvre. Et oui, je suis déjà rentré donc je sais qu'il y a un piège. Mais si vous ouvrez, voilà, 38 Nether Stars. Et si on les prend, ça nous en fait 43 en tout. Ce qui nous fait juste le nombre qu'il nous fallait pour mettre sur la plaque de pression. Donc je vais tout de suite m'enlever du game mode. Voilà. Donc si vous faites la map, hein, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire pareil. Le créateur a laissé les commandes. Maintenant, moi, il faut que j'arrive à retrouver la sortie. Donc, en espérant que ça me débloque le troisième niveau. Bien sûr, du coup, j'ai été obligé de faire aussi un petit peu le tour. Il y a, je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. Et avec, si vous suivez l'aventure jusqu'à la fin, un petit niveau bonus. Je vous dis pas ce que c'est, mais j'ai pu voir ce que c'est. Je n'ai rien déclenché, je n'ai rien touché. J'ai juste survolé la map pour voir comment c'était. Et voilà la sortie. Donc, on a dit... pénible. Je récupère. Allez. Voilà, plus que deux. Bon. Mais je pense qu'il y a un petit problème. Bon, ben petite ellipse et on va se retrouver après. Bon. Allez, à tout à l'heure les gens. Re les gens, j'ai trouvé le problème. Simple petite erreur en fait du mapper. Comme on peut le voir là, si vous le voyez, en fait là il y a un repeater. Mais le problème c'est que le créateur de la map l'avait mis à ce niveau là. Mais le courant donc créé par les items ne faisait qu'un seul bloc ouais, de redstone. Ce qui veut dire que du coup le repeater était trop loin pour renvoyer du jus. Mais bon, maintenant j'ai déplacé le repeater, ça nous a... Ok, j'ai un bruit de piston. Je sais pas. Ça nous a donc réouvert le passage. C'est ça qui s'est enlevé. Ouais, ça c'est. Ouais, elles ont des pop. Donc le passage est ouvert. On peut continuer. Il n'y a rien là-dedans. Alors, troisième salle, comme je l'avais dit avant, ça va être voilà, un chemin. Un bouton ici, ou là, un bouton là, un bouton là. Ok. Là où il y a quoi? Salle 4. Ah, il y a quelque chose là-bas. Alors. Room 4, room 5. Ah, désolé, petit message escape. Alors, room 4, right back corner. Donc, le à droite en bas. Le coin en bas à droite, ça veut dire. Hein. Et two levers and two way out. Oui, désolé pour ce bootscape. Deux level et deux... Je sais pas quoi, out. Je sais pas. Je crois que c'est peut-être des leviers, en fait. Deux leviers.
de quelque chose out. Désolé, hein, mon onglet n'est pas vraiment très très bon. C'est là-bas que ça change ça. Oula! Qui c'est qui quoi? Mais d'accord, c'est que j'ai l'impression d'avoir droit qu'à un seul. Faire par étape. Voilà, partir de la fin, hein, ce qui est le but de tous les labyrinthes. J'entends plein de pistons, ça me fait peur. Bruit de caverne, d'accord. Déjà, prendre un élève. Pourquoi j'entends de la lave? Quatrième chance ouverte. J'ai l'impression que j'ai réussi à faire bugger le jeu. Bon. Donc déjà là, il faut qu'on arrive à trouver lequel actionne celui-ci. Et après, ça dépend dans quel sens il se met. Celui-là. Oui, ça actionne là-bas. Regardez. D'accord, donc là c'est bon. Après, c'est celui-là. Donc ça c'est pas le premier, on va essayer le deuxième. Est-ce que ça va bouger? Non, j'ai pas l'impression. Troisième. Ah oui. Donc là, si on suit le chemin. Ouais, c'est le quatrième. Oh là. Je crois que c'est bon. Oh, il y a une carte. Yes. Je sais pas quelle porte ça m'a ouvert. Je présume que c'est celle de la 4. Hein. Mais je ne vois pas de porte. Je ne vois pas de porte. Hint. Room 4. Right back corner. En bas à droite. Oula. Désolé pour ces petits frises encore, hein, mais je ne fais pas exprès. Ah, et si jamais. Oh, le vicieux. Normalement. Ah, c'est ça. Ouh, ça va être dur, ça. Allez. C'est parti, les gens. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut que je fasse tout le chemin comme ça, en fait. Et bon, ça, parce que quand j'ai pas de bloc en haut, je peux rester appuyé sur ma barre espace. Plus dur, ça va être pour respirer. Sans que je vais perdre au moins la moitié de ma vie. Ah. Voilà. Petit parcours en plus, pas mal. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore un labyrinthe. Ouais, l'étoile d'araignée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se déplacer. Allez. En plus, on peut pas sauter. Ça risque d'être très pénible et très long. Allez. Bon, alors la première vidéo fera à peu près 20 minutes. Mais celle-là, je ne sais absolument pas, je n'ai vraiment pas regardé le temps. Mais on va descendre, hein, parce qu'on a que ça à faire. Donc, j'espère à peu près 20 minutes, mais ça va être vraiment au feeling. Allez, je pense m'arrêter quand j'aurai fini tout seul. En plus, oh, c'est de la sous-sand.
Bon, et eh bien c'est parti. Hein. On va essayer d'aller à l'autre bout là-bas. Donc le plus direct possible. Ce qui me paraît aussi difficile. Si le son est trop fort aussi, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous l'ai dit, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Et ce bruit de piston va me rendre fou. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vais vous baisser le son. Voilà. Vous me direz, hein, pour moi aussi, si vous entendez. Grand message. Ah, un levier. Parce que il me l'a envoyé pendant la coupure en fait. Ah oui, donc deux leviers, ok, deux leviers, on a un, donc il m'avait iQuest là, je sais pas si vous avez, si vous le voyez, mais moi je le vois. Donc iQuest, c'est donc celui dont je vous parlais tout la précédente épisode, j'arrive à articuler un jour, vous inquiétez pas. Donc il a réussi à réouvrir en fait un nouveau serveur qui s'appelle War and Fight. Je vous mettrai le lien du launcher parce que ça y est, le launcher est fait. Il manque plus que les mods en fait, mais on ne les a pas encore créés. Moi je me suis rendu sur le serveur. Petit spawn sympa et tout, tranquille. C'est un PvP faction, parce que je pense que je ne l'avais pas dit. Un petit serveur PvP faction où on peut tous rejoindre, c'est pour les versions craquées. Enfin, version, le launcher en fait vous demande juste un pseudo. Si vous avez une version premium, vous rentrez votre pseudo premium comme moi j'ai fait et ça vous met en fait votre skin premium. Mais si vous n'avez pas de version du tout, vous avez juste besoin de rentrer un pseudo, celui que vous voulez, et c'est bon, vous pouvez accéder. Par contre, je vous cache pas que le launcher met extrêmement longtemps à se lancer. Appel. Et je lui ai dit que j'étais en vidéo. Bon allez. Bon les gens, je suis désolé pour ce brusque, je réglerai ça la prochaine fois. Hein. Par exemple, pas en coupant ma connexion internet, mais j'aurai pas de skin, ce qui est un peu nul. Mais je me débrouillerai, je me mettrai en invisible ou en ne pas déranger. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc on cherche le levier. Et à mon avis, je vous dirai à la prochaine quand on sera à l'autre salle. C'est pénible, étoile d'araignée. Déjà que la sous-sonde ça va pas vite, mais en plus d'araignée. Je veux ce levier. Ah non. Non, je t'ai dit, je suis en vidéo. C'est le premier levier, celui-là. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que je reste sur la seule zone et pas ici en fait? Tout simplement parce que là, j'ai plus l'impression que c'est des murs qu'autre chose en fait. Donc je peux pas vraiment rester là-dessus. Vous voyez, au bout d'un moment, il y a un bout en fait. Et je ne peux plus en fait, je peux plus passer dessus. Donc je vais essayer de rester le plus possible, comme ça on peut avoir le plus de visibilité. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Bon, tant pis. Bon, les amis, si vraiment je mets trop de temps à trouver, je rejoins la porte et on verra la suite la prochaine fois. Je suis désolé, voilà, de couper en plein milieu des salles, des énigmes. Mais le problème, c'est que je suis un peu obligé. Là, mon ami qui m'appelle hier, il était très tard. Oui, j'ai fait la vidéo à minuit. En fait, j'ai commencé à minuit, alors je devais me coucher à minuit. Est-ce qu'on ne voit pas là? Oula, non, je suis tombé. Oh. Donc, vous pouvez comprendre que c'était assez pénible, en fait. Et le bruit de Skype qui coupe, je ne sais pas pourquoi. Bon. Toujours aussi pénible, ça n'a rien. Je pense qu'on va se laisser là, les amis.
Et donc désolé pour toutes ces petites coupures à cause de la map, hein. Je peux pas prévoir que la map aurait des petits problèmes, mais je pense qu'elle date de plus longtemps. Je suis en 1.7.4 moi. Donc après ça peut peut-être dater plus longtemps. Et donc c'est peut-être pour ça que les plaques de pression ne marchent pas. Bon, mais à la prochaine les gens. Je vous laisse là, toujours aussi pressé, aussi vif. Et soyez nombreux sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner, faire tourner les vidéos, petit like, petit j'aime, tout ce que vous voulez, petit bisou, petit tout, hein. Allez, à la prochaine et yop les gens!